En parlant de... Oui. Tu as dit qu'on en était arrivé là à une sortie de l'image du mouvement. Oui. Alors, j'étais un peu pris au défi, je dois le dire, parce que avant, quand je me mettais en rapport, la triade, réalité dispersée et dispersive, la forme de la balade, et le plus de temps, je croyais que je retrouvais un peu ce que tu avais dit au tout début du cours, en partant de l'image du mouvement. Ouais, ouais. De l'univers de l'image du mouvement. Ouais. De l'image mouvement comme interaction ouais. entre les images. Ouais. Alors, je ne sais pas si le propos c'est maintenant de dire que ce point de départ il est évident. Donc, le fameux centre d'indétermination, ouais. qui pouvait constituer le l'œil de caméra, nous transporte de là, de l'univers de l'image du mouvement, ce qui impliquerait que, bon, on se sera servi de Bergson jusqu'à un certain point. Ouais. Voilà. Cette question est absolument juste. Je corrige juste la dernière phrase. C'est pas qu'on se sera servi de Bergson seulement sur un certain point, car nous sommes toujours dans l'attente de ceci que j'ai dit depuis le début, mais faites bien attention, chez Bergson, par exemple, l'image-mouvement n'est que un cas d'image. Et pour Bergson, la grande division bergsonienne, c'est il y a des images-mouvements et il y a autre chose qui diffère en nature, et c'est les images-souvenirs. Donc, même quand nous serons amenés à sortir de l'image-mouvement, peut-être qu'on aura encore très très besoin de Bergson. Mais alors, sur le fond même de ta question, je crois que ta question est absolument juste. Parce que j'ai défini un certain nombre de caractères correspondant à, finalement, un nouveau type d'image dispersif, déambulatoire, etc. C'était plus l'image-action telle qu'on l'avait vue, mais c'était encore de l'image-mouvement. Et là-dessus, j'éprouvais le besoin non seulement de faire appel à votre patience, de dire, mais qu'est-ce qui va se dégager de tout ça? Mais aussi de dire, attention, c'est par là qu'on va être en train de toucher à une limite, non seulement de l'image-action, mais de l'image-mouvement elle-même. Alors, tes questions, je les trouve toujours justes à chaque fois que tu interviens. Seulement, je n'ai rien dit encore. Au point où on en est, c'est toi qui as complètement raison de dire, mais voyons, on sort peut-être d'une certaine vision de l'image-action, mais on ne sort pas du tout de l'image-action. Tu as complètement raison. Complètement raison. Et ce serait, et ça devrait être aujourd'hui qu'on essaierait de voir, qu'on essaierait d'avancer. Mais tout doucement, hein, tout doucement, parce que... Là-dessus, un certain nombre d'entre vous, et moi je veux bien, mais en même temps j'ai plus les textes, me rappelle que j'avais terminé une séance ancienne, déjà un peu ancienne, en prenant l'exemple du burlesque, et en disant, ah bon, ben vous voyez, le burlesque, c'est nécessairement lié à la petite forme. Et je ne prétendais pas faire une analyse du burlesque. Mais j'avais dit juste, parce que ça me semblait comme ça, ah oui, mais il y a quelque chose quand même de très curieux, c'est qu'il y a eu un cas de burlesque grande forme, alors que ça paraît incompatible, le burlesque et la grande forme. Et il y avait un cas de burlesque grande forme, j'avais juste dit... c'est Buster Keaton. Et puis j'avais commencé, et puis c'était la fin, et puis j'avais laissé tomber ça parce que toujours soucieux d'aller de plus en plus vite. Voilà. Et alors il y en a parmi vous, moi je veux bien, qui me ramène à ça, mais voilà que j'ai plus les textes, donc je ne peux. Je fais là une parenthèse sur Buster Keaton hein, avant d'en revenir à ce que. Au point où nous en sommes. En effet, je vous le disais, dans le burlesque, en gros, je ne prétends pas définir le génie de,
de Charlot, j'ai mis de Laurel Hardy, tout ça. Tout ce que je dis, c'est là. En quoi le burlesque, c'est la petite forme. A-S-A. Hein, je vous dis, moi, ce qui me paraît, c'est une formule comme une autre, comme ça, j'y tiens pas, donc c'est pas là-dessus qu'il faut discuter. Ce qui m'intéresse, c'est le cas spécial Buster Keaton. Mais dans le burlesque en général, si vous me permettez, je disais, ce qui nous fait un effet burlesque, peut-être est-ce que c'est que entre deux actions est suggérée une différence infiniment petite. En même temps que, et les deux sont inséparables, le personnage burlesque va suggérer entre deux actions A et A' une différence infiniment petite, mais de telle nature que les situations correspondant aux deux actions, S et S', elles, vont faire valoir une distance infinie. Et c'est parce que le burlesque, dans le même acte, dans le même geste, pose la différence infiniment petite entre deux actions, et en même temps fait sentir la différence infinie entre les situations correspondantes, qu'il y a une opération qui nous fait rire. Et je prenais des exemples complètement... Je disais, pourquoi est-ce que... Là, comme ça, pourquoi est-ce que Charlot peut nous faire rire de la guerre de 14-18 et de cette guerre de tranchées, alors qu'il rencontre très vivement de l'abomination de cette... C'est-à-dire, c'est pas du burlesque innocent, c'est très puissant, le film Charlot soldat. Il disait, voyez comment il procède. Ou un des aspects, ce que je dis a vraiment rien d'exhaustif. Voyez un des aspects du procédé Charlot. Il va induire entre deux actions très différentes une différence infiniment petite. Par exemple, tirer avec un fusil sur un adversaire humain et jouer au billard. Et l'image nous montre une différence infiniment petite. Encore faut-il créer l'image. Il crée l'image dans la mesure où Charlot tire, et chaque fois qu'il tire, encore une fois, marque sur une ardoise un trait, comme un joueur de billard. Et puis, une fois, il reçoit lui-même une balle qu'il frôle, et ça le perçoit qu'il a raté son coup. Et il l'efface, le trait qu'il vient de marquer sur l'ardoise. Tout le monde rit. C'est au fond parce que vous ne faites pas l'effort. Tout le monde rit. Je dis, ça répond bien à ma vague définition. Une différence infiniment petite est posée entre deux actions, mais de telle manière que cette différence infiniment petite va nous faire sentir une situation incomparable entre la guerre et le champ de bataille et le tapis de billard. Donc on est à la fois pris dans ce double mouvement de rétrécissement, différence infiniment petite et en même temps la situation qui file. Je disais la même chose pour la fameuse image d'un court-métrage de Charlot où il se suspend à des saucisses dans une charcuterie comme s'il était dans un tramway. Donc, je conclue juste, et je ne prétends pas conclure quoi que ce soit d'autre, supposons que le burlesque, en général, procède comme ça par différence infiniment petite, quitte à nous faire sentir, par le jeu de ces différences infiniment petites, l'incommensurabilité des situations. Il y en a un, alors il faudrait étudier, il y en a un que j'aime beaucoup, moi, dans les burlesques, c'est Harold Lloyd. Or, lui, il a une espèce de génie, il y a des images qui sont signées par tel ou tel burlesque. Lui, c'est un de ceux qui a su le plus inventer. Alors, l'image perceptive infiniment petite,
Dans le cas de Charlot, c'est des images action, où il y a différence infiniment petite. Chez Harold Lloyd, c'est très curieux, il y a tout le temps dans ses films des images perception qui induisent une différence infiniment petite. Par exemple, dans un film, on le voit cadré absolument comme s'il était dans une voiture de luxe. Et le cadrage est très bien fait, il est là, il se tient dans la voiture. Donc, j'appelle ça « A ». C'est un comportement, c'est une action, il est dans la voiture. Il se tient dans la voiture, A. Et puis, un feu rouge, puis la voiture s'en va, et on s'aperçoit que lui, il n'est pas du tout dans la voiture, que c'est un pauvre minable à vélo. Vous voyez ? Et l'image est très très belle. Un coup célèbre, une image très célèbre d'un grand Harold Lloyd, c'est, ça commence par une scène où il est là, l'air très abattu, il y a des grilles, il y a un nœud coulant à côté de lui et il y a une jeune femme qui sanglote. Et puis, l'image se précise, en fait c'est sur un quai de gare. Et il y a une espèce d'officiel avec une casquette qui semble annoncer que l'heure est venue de la condamnation à mort. Et puis, la vraie image, c'est tout à fait autre chose. C'est le chef de gare, la fiancée qui pleure, la corde là qui fait absolument corde de pendaison, c'est une espèce de corde porte-bagage, etc. Donc, il y a, en fonction d'une différence infiniment petite, situation incomparable qui se définit, qui se déroule. Alors je dis, mettons que ce soit une formule burlesque en général. Qu'est-ce qui nous frappe énormément et qu'est-ce qui fait que Buster Keaton, je ne dis pas du tout que les autres ne soient pas modernes, mais comment est-ce qu'on définirait la modernité très particulière de Buster Keaton? Je disais, c'est finalement l'ampleur et la puissance des images extra-burlesques chez Keaton. Il y a, dans la plupart de ses films, il y a des images extra-burlesques qui ont une beauté, comme on dit, une beauté griffissienne. Et une intensité dramatique. Alors, à première vue, on se dirait, oh bon, ben oui, mais ça pose déjà un problème, si vous m'accordez ça. Et je citais, mais là j'ai plus, j'avais fait la liste de... Je citais dans les lois de l'hospitalité les premières images, en effet, qui semblent tirées d'un admirable Griffith, l'image de la vengeance, des deux hommes qui se tuent, avec la cabane dans l'orage, la nuit, c'est filmé merveilleux. Très très belles images. Et où il y a la femme qui sanglote, qui protège son petit bébé, tout ça, et les deux hommes qui se tuent, ils tombent, le seul élément un peu comique, c'est qu'ils sont morts tous les deux, mais sinon, c'est pas du tout l'image burlesque, c'est vraiment une situation dramatique, et qui se termine par l'annonce que la vengeance entre les deux familles sera inexpiable. Bon. Donc on a comme l'impression d'un hors-d'œuvre, que c'est hors dur. Qu'est-ce que c'est? Je disais, autre exemple, l'image, elle n'est pas forcément ce type d'image keatonienne, pas forcément dès le début du film. Je prends un autre exemple. Je disais, dans Dernier Out, le match de boxe, encore une fois, qui est d'une extrême violence, qui n'a rien à voir avec un match burlesque. Il y a eu une séance d'entraînement burlesque dans le film, puis il y a un match de boxe, mais d'une violence comme moi, je n'ai jamais vu, même dans les actualités. Une telle violence, qui alors est une... C'est des images de dénonciation du spectacle de la boxe qui est effarant. Image d'une violence, mais qui prétendent vraiment pas du tout faire rire. Vous voyez le problème qui naît, comment ça prétend pas faire rire. Ce que je voudrais dire, c'est que ça prétend pas faire rire et que pourtant c'est complètement compris et intégré dans le cinéma de Buster Keaton. C'est pas du tout extérieur. C'est extérieur au burlesque de ce cinéma, mais c'est pas du tout extérieur à ce cinéma.
Et je citais d'autres exemples. Dans la grande séquence comique de la croisière du navigateur, la scène du scaphandrier, il y a des éléments burlesques, mais il y a un long moment, lorsque les sauvages sont montés sur le bateau et qu'il y a un sauvage qui coupe le tuyau de respiration. Il y a l'espèce d'asphyxie au fond de l'eau de Buster Keaton. Il n'y en a absolument rien de burlesque. Dans un autre, dans le caméraman, il y a la fameuse émeute chinoise, où déjà est posé, à mon avis, au cinéma pour la première fois, le problème de la trahison, du trafic, de toutes les possibilités de trafiquer le direct, de trafiquer le pseudo-direct, puisque le caméraman, joué par Buster Keaton, fait tout pour que l'émeute tourne en sang. Il prend les Chinois, là, qui font leur fête, tout ça, qui commencent à se bagarrer, puis il glisse un couteau dans la main des Chinois, là, et puis, là, ça commence, ça devient sanglant. Bon. Alors, voilà ma question. Si vous m'accordez ceci, il faudrait dire, en effet, qu'avec Buster Keaton, il y a une utilisation, il y a une invention d'un burlesque de grande forme. J'appelle grande forme ces images qui appartiennent mais fondamentalement au cinéma de Keaton. Je citais encore un exemple, le typhon. Dans Steamboat Judas, le typhon. Alors, supposons que vous m'accordiez ça. Là, vous avez des images de situations vraiment extra-burlesques et de situations dans toute leur ampleur. Le typhon balaie la ville. L'asphyxie sous-marine, là, emporte tout ce monde sous-marin. Le match de boxe remplit tout l'espace. Vous avez des fortes situations. Voilà. Alors, et je dis, c'est pas des, à la lettre, c'est pas du tout des hors-d'œuvre chez Buster Keaton. Si bien que le problème du burlesque de Buster Keaton, ça va être ce qui va précisément permettre qu'il intègre dans son burlesque ces images en apparence extra-burlesques, ça va être comment combler la différence. Voyez, dans le burlesque ordinaire de la petite forme, c'est comment suggérer une différence infiniment petite qui va provoquer une distance incomblable. Comment suggérer entre deux actions une différence infiniment petite qui va poser, entraîner une distance incomblable entre les deux situations. Le problème de Buster Keaton, problème technique, là j'insiste là-dessus, ça va être un problème technique étonnant, et c'est pour ça que techniquement il sera tellement en avance. Pensez à toutes les histoires, par exemple, qu'à un moment où la transparence n'est pas connue, où les techniques de transparence ne sont pas connues. La mobilisation des décors, ce que fait Buster Keaton est techniquement fantastique, avec les limitations techniques du cinéma à cette époque-là. Bon, mais alors, je dis comment lui, son problème, c'est comment combler la différence entre la grande situation extra-burlesque et l'acte burlesque. Et il me semble que ça n'est que chez lui que ça se présente comme ça. Ça n'est que chez lui. Et alors, je comprends mieux, c'est pour ça que je m'intéressais beaucoup à l'anecdote que Buster Keaton rapporte lui-même. L'anecdote qu'il rapporte lui-même, je vous rappelle, c'est que pour Steamboat Bill, pour Steamboat Junior, son producteur lui dit « Ah non, non, vous n'allez pas nous mettre une inondation. » Ça, non. Alors il dit « Pourquoi, Buster Keaton, pourquoi vous ne voulez pas d'inondation ?»
Il dit, vous ne pouvez pas faire rire avec quelque chose qui tue tant de milliers de gens par an. Alors, Buster Keaton y répond, pourtant, Chaplin, il a bien fait rire avec la guerre de 14. Et le producteur lui dit, non, c'est pas la même chose. Je disais, le producteur est peut-être très malin à sa manière. C'est que c'est vrai, on peut faire rire avec la guerre de 14 dans une technique petite forme, où on suggère une différence infiniment petite entre deux actions, l'action de tirer et l'action de jouer au billard. Dans une technique grande forme, pas question de faire rire avec la guerre de 14. Et dans la grande scène, pour ceux qui se rappellent Charlot, soldat, dans la grande scène abominable des soldats qui dorment dans la tranchée inondée, qui dorment dans la tranchée inondée, la scène est bien abominable, mais perpétuellement, ce qui fait rire, c'est les différences infiniment petites. Par exemple, la bougie qui se promène dans l'eau, sur un bouchon, là, sur une espèce de morceau de liège, qui se promène et qui va brûler les pieds du pauvre soldat qui a réussi à s'endormir, mais, à ce moment-là, différence infiniment petite avec un petit canard qui se balade dans une baignoire, quoi, tout ça. C'est ça qui permet que ça passe en comique. Et encore une fois, Buster Keaton s'est interdit ce procédé. Et c'est ça sa nouveauté pour moi. Si bien que le producteur lui dit, il me semble d'une certaine manière, Charlot, oui, pourrait nous faire rigoler avec n'importe quoi, avec la guerre de 14, avec une inondation. Mais vous, je vous connais. Toi, je te connais, tu ne feras pas comme ça. Tu nous flanqueras encore un match de boxe d'une violence inouïe, c'est-à-dire une grande forme. Tu nous flanqueras une inondation, mais où les gens vont crever, vont périr, qui va envahir tout l'écran, grande forme. Et ce ne sera pas drôle du tout. Et il transige sur le typhon, Buster Keaton se marrant, se disant, tiens, il accepte le typhon, allons-y. Et il fait son typhon, qui également est grande forme. Il se trouve que le producteur semblait ignorer donc le typhon était non moins meurtrier que les inondations. Tant mieux, puisque ça nous a valu cette scène. Mais encore une fois, bon, je reviens à ma question, comment faire ? Eh bien, je crois que Buster Keaton, se trouvant devant un problème burlesque qui lui est propre, à savoir comment combler l'énormité d'une différence, et non pas comment suggérer une différence infiniment petite. Vous voyez, c'est ça ce que j'appelle le problème unique du burlesque Keaton. Comment combler une différence énorme? Comment combler la différence entre le match de boxe dans toute sa violence et l'élément burlesque? Entre le typhon dans toute sa violence et l'élément burlesque. La réponse, elle est presque comprise dans la question. Buster Keaton comblera cette différence que s'il est capable d'inventer des machines. D'où le génie de Buster Keaton, enfin, un des aspects, ce que je dis, c'est un des aspects du génie de Keaton, c'est une invention qui, à mon avis, n'a eu d'équivalent dans l'art et dans la littérature, que pas du tout avec le surréalisme, mais avec le dadaïsme, un génie de l'invention de machines insolites. Qu'est-ce que ça va être, les machines insolites? Ça va être des machines à longue chaîne. Encore une fois, qu'on m'objecte pas chez Charlot les temps modernes. Car dans les temps modernes, la machine est complètement objective. Elle est complètement objective. Charlot ne se sert pas de la machine. Le burlesque petite forme ne peut pas dépasser l'usage, du point de vue de l'usage, le maniement de l'outil. Le maniement de l'outil est comique. Il est burlesque dans la petite forme. Mais inventer des machines qui vont combler la différence, qui vont combler l'infini de la différence entre l'individu burlesque isolé et la grande situation qui lui échappe.
Alors, en Amérique, ils étaient très forts. Je veux dire, je cite le dadaïsme comme européen, mais ces machines à très longue chaîne, à la lettre absurde, à liaison, je dirais des machines à liaison absurde. Ça, c'est le propre de, c'est le propre de Buster Keaton. Un dessinateur américain de la même époque, je trouve que c'est un des plus drôles, moi, c'est le, ou c'est un des seuls qui m'a fait rire, mais hélas, comme j'ai oublié tout ça, j'ai pas ramené, je vous aurais amené des dessins de lui, peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est Goldberg. Goldberg faisait de telles machines. Alors, par exemple, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est qu'une machine à longue chaîne absurde. Il s'agit de mettre en mouvement un disque. Comment mettre en mouvement un disque? Alors, le plus simple, évidemment, c'est le faire directement. On met la pointe sur le disque, on appuie à bouton. Dans la machine Goldberg, ça ne se passe pas comme ça. Premier temps, il y a un batelier de la Volga. Et son dessin présente un batelier de la Volga, avec son chapeau, tout ça, qui tire sur une corde. Mais pour que le batelier de la Volga tire sur une corde, il n'y a pas beaucoup de rapport avec le disque qu'il faut mettre en train, mais ça ne fait rien. Vous allez voir le rapport. C'est un élément de la machine absurde. Batelier de la Volga, donc, pour qu'il tire sur la corde, il faut lui présenter, deuxième élément, un tableau. Un tableau qui représente la Volga et des bateaux sur la Volga. Alors, convaincu par le tableau, vous avez là le pauvre Moujik qui tire sur la corde. La corde passe sous le tableau. Donc, j'ai déjà deux éléments. Le batelier ivre qui tire sur sa corde, là, et le tableau que le batelier regarde d'un air hébété. Deux éléments de la machine. La corde qui passe sous le tableau relie un homme très riche en train de déjeuner, de faire un repas énorme. Troisième élément. Quand le batelier, sous l'inspiration du tableau qu'il regarde, tire sur la corde, laquelle est attachée à la chaise du milliardaire en train de déjeuner, ça tire la chaise. Et le ventre du milliardaire, qui a été appuyé contre la table, est détaché de la table. Ce ventre étant plein et trop plein, les boutons du gilet du milliardaire saute en l'air. Voilà le troisième élément de la machine folle. Et c'est une machine indirecte extraordinaire. Quatrième élément. Ces boutons, en jaillissant du gilet du milliardaire, vont frapper un gong. Ils sautent en l'air et ils frappent un gong. Lequel gong réveille en hauteur sur le dessin. C'est un dessin circulaire, très très beau dessin. Mais il passait son temps à faire ça, Goldberg, c'était très bien. Réveille un boxeur affalé sur son tabouret dans un ring. Lequel boxeur est immédiatement assommé, là j'ai oublié quelque chose, est immédiatement assommé, mais tombe hors du ring sur un matelas. Sur ce matelas pneumatique, il y a un petit lapin. Vous reconnaissez typiquement des enchaînements dadaïstes. Pas du tout surréaliste, encore une fois, à mon avis. Il faut que ça fasse machine, tout ça. Et c'est le petit lapin en sautant qui va déclencher le disque et mettre en marche le disque. Voilà une machine Goldberg. Je dirais les machines Buster Keaton, c'est ça. Alors, je me souviens d'un court-métrage de Buster Keaton, je crois bien de la série des Malek,
où Buster Keaton n'arrive pas à, dans un stand de foire, n'arrive pas à avoir à tirer bien. Vous voyez, c'est un truc où quand on tire dans le mille, on se fait photographier. Il veut beaucoup sa photo, mais il n'arrive pas à tirer. Alors, il invente une machine typique du même genre. Bien, il attache à un chien. Il attache à un chien. Avec une poulie, il fait descendre un os. Le chien bondit sur l'os. Il attire l'os, et quand il a réussi à attirer l'os, ça déclenche le déclic de la photo, si bien que Buster Keaton dit « j'ai mis dans le mille ». Voilà. Vous voyez, ces machines indirectes. Je dirais que si vous regardez un peu dans Buster Keaton, vous avez toujours présente ces machines indirectes, à la limite infinie, qui vont adapter la grande forme aux exigences du petit burlesque. Et c'est ça l'opération très bizarre de Keaton. Je prends l'exemple le plus célèbre, là, pour faire comprendre ce que je veux dire, la croisière du navigateur. La croisière du navigateur, voilà qui se trouve avec la femme, avec une femme, avec une jeune fille, voilà qui se trouve dans l'immense bateau vide. Je dirais, c'est cet immense bateau vide, avec les images qu'on nous montre, alors les cuisines de ce bateau conçues pour des milliers de personnes, bon, c'est de la grande forme, ça. Et l'opération de Keaton, vous ne trouverez jamais ça chez Charleroi, à mon avis. Jamais. C'est un tout autre problème. C'est le problème Keaton, là. Ça va être quoi ? Ça va être monter des machines idéalement infinies pour adapter les grandes machines à un usage privé réduit à deux. Vous voyez tout un système pour arriver à comment, dans une cuve conçue pour 1000 personnes, comment arriver à faire cuire un œuf à la coque. Voilà. Il va falloir tout un système de poulies, de trucs, de... C'est la grande machine Dada. C'est la grande machine Dada. C'est une machine à la fois récurrente à récurrence et à récurrence proprement infinie. C'est une machine faite de parties hétérogènes, complètement hétérogènes, comme dans les dessins de Goldberg. Si vous préférez, il y aurait un équivalent aujourd'hui dans les machines, les célèbres machines de Tanguelli. Les machines Tanguelli, c'est des machines du même type. Et alors, ça, il me semble que ce sera sa manière à lui pour intégrer, pour que les grandes scènes, les grandes formes, dont il nous donne des images fantastiques, merveilleuses, soient intégrées dans le burlesque lui-même. Et là, il y a quelque chose, il me semble, d'unique. Alors, je prends l'exemple de la croisière du navigateur. Bon, il est complètement asphyxié dans le fond, là. Ivresse sous-marine, asphyxie, enfin là, c'est... Bon, on a confiance, alors on est déjà tout prêt à rire, mais l'image, elle n'est pas drôle du tout. Elle n'est pas drôle du tout. Et puis, il va remonter, il y aura des aventures, tout ça. Et qu'est-ce qui va surgir ? Une des plus belles images et une des plus célèbres, je crois, là, de tout le cinéma, qui est que la femme, qui, comme toujours dans le burlesque, et avant tout une espèce d'agent du destin, c'est-à-dire qui empire les choses par nature, qui dès qu'elle fait un geste... Voilà, je commence par une première remarque. Célèbre image néo-réaliste, alors au sens de Bazin, puisque Bazin en tirait énormément parti. Célèbre image néo-réaliste, dans Umberto D. de De Sica. La fameuse séquence de la petite bonne. Pur néo-réalisme, en effet. Elle se lève le matin, c'est vraiment la banalité quotidienne, là, l'état pur.
voyez, des événements qui s'enchaînent même pas au hasard, d'après l'habitude, après une espèce d'habitude, événements qui n'appartiennent pas à la petite bonne qui est là comme ça. Se lève le matin, elle se traîne dans la cuisine, il fait froid, elle voit des fourmis, elle les noie, elle prend la truc à, vous savez, la truc à café, comment ça s'appelle, le moulin à café, elle le cale entre ses cuisses, elle tend la jambe, la pauvre fille, pour fermer la porte, elle est assise, il y a cette fameuse tension de la jambe, etc. Et elle pleure. Et Bazin a consacré de très bonnes pages à la beauté de cette scène. Et en quoi ? C'était une image néo-réaliste. Et voyez pourquoi ? Parce qu'en effet, tout le rythme de l'image, tous les caractères formels de l'image s'identifient à la forme de la réalité, au lieu de se contenter de filmer un contenu supposé réel. Tant dans la durée que dans le rythme, que dans le tempo, dans tout ce que vous voulez, tout est. Bon. Et alors là, je me dis, moi, bon, qu'est-ce qui se passe ? Rencontre. Zabatini nous disait que le néo-réalisme, c'est l'art des rencontres, et c'est pour ça qu'il y a tellement de tendresse dans le néo-réalisme. Il tenait beaucoup à cette tendresse. Où est la rencontre, là ? Si on trouve la rencontre, on est sauvé. Dans Païsa, il y avait des rencontres. Un Américain, un Italien ou une Italienne, ça se rencontrait tout le temps. Là, où est la rencontre ? Il y aura des rencontres dans Umberto D. La pauvre petite bonne et le pauvre vieux. Ils se croiseront. Il y aura une rencontre. Partout des rencontres, Zabatini a raison. Pas de néo-réalisme sans un art des rencontres. Et là, qu'est-ce qui s'est rencontré ? Il y a rencontre et rencontre. Quelle est la plus profonde des rencontres ? J'ai rencontré que la petite bonne était enceinte. Vous me direz, bon, ça, enceinte, c'est très bien. Très bien, je veux dire, c'est ce qu'on appelle une situation motrice. Cinéma, il nous a montré beaucoup d'images de femmes enceintes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la scène de la petite bonne ? Elle est là, épuisée dès le matin, sans espoir. Elle sait qu'elle sera fille-mère, hein, qu'elle n'a aucun espoir, qu'elle ne sait pas comment elle peut mener à jour ce gosse. Il n'y a que le malheur partout. Elle fait son boulot quotidien. Et dans cette longue séquence, elle est complètement avachie, comme ça, elle regarde les fourmis, elle tend le pied pour fermer la porte. Et dans toute cette durée de molle, dégoûtante, tout ça, qu'est-ce qui... Son regard a rencontré son ventre. C'est tout. Son regard a rencontré son ventre, elle pleure. Pas une situation motrice. Il y aura des situations motrices. Là-dessus, elle peut très bien, je suppose, elle sort et elle essaie de se procurer l'argent pour voir un médecin, quitte à avorter. C'est pas vrai dans le film. Hein. Je dirais, ça, c'est une situation motrice. Ça, c'est une situation motrice à l'américaine. Ou bien, elle... Je dirais mieux... Appelons les choses par leur nom, c'est une situation sensorimotrice. Ou bien elle va voir le voisin, le vieux Umberto, et elle lui dit « Ah mon pauvre monsieur, si vous saviez le malheur qui m'arrive, c'est un vieux monsieur, peut-être qu'il comprendra. » Situation motrice, situation sensorimotrice. Et là, dans le cœur de cette séquence, il ne s'agit pas de ça. Alors de quoi il s'agit ? Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de... Et là, épuisée, fatiguée, elle sait qu'elle est enceinte. Elle le sait. Son regard, tout d'un coup, passe à la lettre par son ventre. Tout d'un coup, elle voit son ventre.
et elle pleure. C'est une image néo-réaliste. Pourquoi? Parce que là, alors, je sens que je tiens mon truc. Enfin, faux ou vrai, j'ai l'impression de tenir quelque chose. Je dis, ce n'est pas une situation sensorimotrice, c'est une situation optique pure. Et une situation optique pure, ça ne veut pas dire du tout quelque chose dont on se désintéresse. Ça veut presque dire le contraire. Elle a vu ce qu'elle n'avait peut-être jamais vu jusque-là. Elle savait qu'elle était enceinte, elle sentait qu'elle était enceinte. Elle ne l'avait pas vue. Et en voyant et quand son regard croise son ventre, elle voit l'intolérable. Et cet intolérable, c'est même pas un événement qui est le sien. Ça ne veut pas dire que cet événement, il lui appartient pas. Il lui appartient pas, cet événement. On lui a flanqué cet enfant. Et elle voit l'intolérable dans cette rencontre de l'œil et du ventre, situation un petit peu. Bon, si c'était vrai, mais seulement il suffit pas. J'ai l'air de forcer énormément cette image. Si c'était vrai, quel gars on ferait? Est-ce qu'on pourrait dire alors, tout ça, tout ce qu'on a dit précédemment, n'était que un acheminement vers l'idée que ce que ce cinéma a inventé, c'est des images optiques sonores pures. C'est-à-dire, ils ont rompu avec les images sensorimotrices et ils ont découvert tout un domaine qui jusque-là, on ne peut pas dire qu'il a été recouvert par l'histoire, l'intrigue, le scénario. C'est-à-dire, ils ont fait surgir les situations optico-sonores à l'état pur. Ils ont fait surgir la situation optique pure. Bon, évidemment, il faudrait que ce soit confirmé. Confirmé, ça va l'être, évidemment. Ça va l'être, bien sûr. Il faut que j'aille au secrétariat, une minute. Mais alors, partez pas, parce que c'est possible. René. Là, on ne peut pas s'y tromper parce que... Je veux dire, à quoi on ne peut pas s'y tromper? C'est que, bon ou mauvais, on tient un concept. Simplement, ce concept, c'est là-dessus que je veux insister que... pour ce qui en est de la philosophie. Je crois que vraiment l'activité qui consiste à faire de la philosophie, ça n'est ni proche, ça n'a rien à voir évidemment avec une activité qui consisterait à chercher la vérité. La vérité, ça veut absolument rien dire. Rien. En revanche, que la philosophie, ça consiste en une tâche très très précise, très aussi pratique que faire de la menuiserie, c'est faire des concepts, faire de la philosophie. C'est faire des concepts, et puis les concepts, ça préexiste pas, ça existe pas tout fait. Alors quand vous faites de la philosophie, il y a un moment où vous pouvez cheminer longtemps. Alors à ce moment-là, vous dites « je cherche hein ». Quand est-ce que vous dites « j'ai trouvé » ? Vous dites « j'ai trouvé » quand vous tenez un concept et que vous avez le sentiment. Il y a un sentiment du concept. Quand vous dites « ah tiens, là il y a un concept ». Ce concept, il a bien fallu qu'il vous attende pour exister. Les philosophes, ils passent leur temps à ça. Ils inventent des concepts. Ils ne les inventent pas sans nécessité, sans... Bon. Alors voilà que je me dis, mais en même temps, il y a toujours les déceptions possibles. Très souvent, il y a des illusions. On se dit, ah tiens, là, je tiens un concept. Puis rien du tout. Non. On tient au mieux une métaphore ou un truc de rien du tout. Quoi. Bon. Alors ça se peut que ça nous arrive, ou même ici, parmi vous, il y en a qui peut-être ne sont pas de mon sentiment. Moi, je me dis, ah bon, voilà.
je sens, on tient un concept, situation optique pure. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Alors, moi, j'aimerais bien que la conversation ou la critique, elle ne peut s'exercer qu'à ce niveau. Vous ne pouvez pas me dire que tu as tort, c'est-à-dire que tu te trompes. Vous pouvez me dire, ce serait l'hypothèse abominable, ça. Non, ce n'est pas un concept. Pas un concept. Et en effet, pour le moment, je n'ai pas montré en quoi c'était un concept. Tout ce que je tiens, alors je m'y raccroche comme une espèce de bouée, comme une espèce de truc qui me persuade que c'est peut-être un concept. Je dis la formule et je la répète jusqu'à ce que je ne la comprenne plus que à peine. Il n'y a plus de situation sensorimotrice, mais il n'y a que des situations optiques et sonores pures. Alors, bien, confirmons encore, hein, parce que c'est seulement si on a beaucoup de confirmations qu'on se dira, ben oui, ça doit être un concept. Et je me suis appuyé uniquement sur cette scène si émouvante de Umberto D. Je saute à autre chose, parce qu'après tout, beaucoup de critiques de cinéma à propos du néo-réalisme ont très bien montré que il y avait une très curieuse utilisation de l'enfant dans le néo-réalisme. Il y a bien des films où l'enfant joue un grand rôle. On n'a pas attendu les néo-réalistes italiens. Mais on nous dit qu'avec le néo-réalisme italien, l'enfant a une fonction et une présence très spéciale. Déjà dans Rome, ville ouverte, dans Paisa, et enfin dans De Sica. Que ce soit Chiuccia, le voleur de bicyclette qui fait sa longue balade dans la ville avec son petit garçon. Allemagne n'est zéro. Et on se dit, des enfants comme ça, on ne les a pas vus jusque-là. C'est pas, par exemple, ce n'est pas des petits Américains, ce n'est pas l'enfant américain de l'image action. Ce n'est pas ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants très particuliers ? Est-ce qu'ils vont chercher l'enfant parce que l'enfant, comme on dit, a un regard innocent ? Rien du tout, rien du tout, rien du tout. C'est pas ça. C'est pas des regards innocents, c'est même des enfants très, très blasés, très vieillis avant l'âge. C'est des enfants de guerre, quoi. C'est des pauvres petits gars. Ils sont pas innocents, c'est pas ça. C'est quoi ? C'est que la situation de l'enfant, c'est à la lettre. Quelqu'un de cet enfant-là, en tout cas, c'est que c'est quelqu'un qui est condamné à en voir beaucoup plus qu'il ne peut faire. Terrible une situation d'enfant. Il fera beaucoup. Il va chaparder, il va voler, il va... Mais l'enfant du néo-réalisme italien, c'est un enfant qui voit... L'inoubliable regard là, des enfants de Chiuccia. Regard du petit garçon qui accompagne son papa dans le voleur de bicyclette. Et en effet, il est en situation de voir et pas beaucoup de faire. Lui, enfant, il peut pas grand-chose. Comme on dit, la situation le dépasse. Les enfants de Buñuel sont pas du tout de ce type. Hein. L'enfant néo-réaliste, ben ça me paraît très très frappant. Il voit quoi ? Il voit, je reprends la même formule parce qu'elle me servira, il voit l'intolérable. Et il ne cesse pas d'être en situation de voir l'intolérable. Et il peut faire, bien sûr, il fait des petites choses, mais il ne peut pas faire beaucoup. En d'autres termes, la situation de l'enfant effectue, ou l'état de l'enfant effectue. Une situation optique sonore presque pure. Voilà, petite confirmation. Troisième confirmation. Le néo-réalisme s'affirme de toute évidence
là où les premiers critiques annonçaient qu'il n'existait plus. C'est-à-dire, le néoréalisme italien ne s'affirme pas uniquement avec Rome, ville ouverte, et Paisa, et le voleur de bicyclette, et Umberto D, mais s'affirme à l'état le plus pur. Je dis s'affirme à l'état le plus pur parce que c'est seulement là que va apparaître l'essentiel. Avant, c'était recouvert. Je crois qu'avant, les situations optiques pures et sonores pures étaient déjà là, mais encore recouvertes par la balade, par ceci, par cela. Mais avec la grande quadrilogie de Rossellini, là où beaucoup de critiques italiens ont dit « ça n'est plus du néo-réalisme », merveille. C'était parce que le néo-réalisme avait su dégager, grâce à Rossellini, et à lui seulement, à mon avis, avait su dégager le plus pur et le plus essentiel de ce qui appartenait à la tentative néo-réaliste, c'est-à-dire une exposition des situations optiques et sonores à l'état pur. Et je dis, c'est dans la grande quadrilogie de Rossellini, Allemagne année zéro, Stromboli, Europe 51, Voyage en Italie. Et la structure des films, de ces quatre films même, manifeste l'exposition de la situation optique sonore à l'état pur. Or, comment ça, ça le manifeste ? C'est très curieux que pour Allemagne année zéro, les Italiens aient dit Rossellini, ou certains Italiens aient dit Rossellini, ben, il a fini d'être néo-réaliste et il a eu bien tort parce qu'il a pris un sujet, l'Allemagne, qu'il ne connaît pas, lui, ce qu'il connaît. Ce qui lui appartient, c'est l'Italie. Il me semble que dans de telles réactions, il y a alors tout un ensemble de contresens, puisque précisément l'Italie de Rossellini présentait une Italie qui n'appartenait plus à personne. Et qu'ensuite, dans Allemagne année zéro, la visite de l'Allemagne par un enfant qui finalement sera conduit à la mort est vraiment la première fois où le néo-réalisme se dégage à l'état pur. Ce qui était encore recouvert dans les autres films de Rossellini, là, surgit. C'est ça le néo-réalisme. À savoir, un enfant qui se trouve en Allemagne dans une situation uniquement optique et sonore. Et Stromboli, ce sera quoi ? La personne, l'héroïne, se trouve sur l'île et elle y est comme une étrangère. Étrangère sur l'île, en style rude, parmi les pêcheurs. Il n'y a plus rien de sensorimoteur pour elle. Elle est condamnée à une situation optique et sonore pure. Et un marin veut lui faire toucher la pieuvre. Elle a une répulsion, elle a... Ça ne fait pas partie de son monde tactile ou moteur, elle. Et plus tard, après l'admirable séquence du thon, de la pêche au thon, un marin voudra lui faire toucher un thon. Elle le touchera très très timidement. Et Rossellini, qui n'en veut pas généralement aux critiques, qui laisse les critiques dire n'importe quoi, ne s'emporte qu'une fois contre un critique parisien, qui avait cru que la séquence admirable de la pêche au thon était emprunté à un documentaire dont Rossellini s'était servi. Et Rossellini a eu une réaction intéressante parce qu'il a donné à tout le monde une grande leçon. Il a dit, les critiques, moi ça m'est égal. S'ils disent c'est bon, c'est mauvais, ils estiment que c'est leur métier de juger, alors qu'ils le fassent, très bien. Mais un critique qui se renseigne même pas, c'est-à-dire qui dit, il dit pas... La séquence du thon est belle ou elle n'est pas belle. Il dit la séquence du thon, elle vient d'un documentaire. Alors que dit Rossellini, c'est ce que j'ai mis, je ne sais pas combien, d'heures et d'amour à filmer. Alors, il n'avait qu'à se renseigner avant. Oui, il ne se renseigne pas beaucoup, les critiques. Il parle comme ça.
Alors là, il n'était quand même pas content. Et qu'est-ce qui est essentiel là-dedans? C'est d'une part la beauté de la séquence en elle-même, mais que l'étrangère sur l'île est évidemment en situation pure. Et est-ce que ça veut dire qu'elle est là comme ça, comme un touriste? Peut-être que vous allez sentir que quelque chose est en train de se dessiner de plus profond. Elle serait comme un touriste si elle saisit ces images réalité, ces images faits, comme dirait Bazin, si elle les saisit comme des clichés. Ce serait possible. Mais non. Cette pêche au thon qui ne m'y appartient pas, la bouleverse d'un bout à l'autre. Pourquoi? Quelque chose de trop fort pour elle. Ça la bouleverse. Elle est dans une situation optique pure, c'est par cette situation optique pure qu'elle sort du cliché. Le cliché, c'est le touriste qui est en situation sensorimotrice. Ah, ça changerait tout, ça. Le touriste, le pauvre con, là, c'est celui qui arrive, là, sur le quai, il voit les thons arriver, il dit, je peux toucher, hein, oh, le pauvre thon, voilà. Ça, il a rien compris. La femme terrifiée, regarde là, la pêche au thon, les thons, elle est en situation purement optique et sonore, avec un langage qu'elle ne comprend pas, ce patois, avec des gestes qu'elle ne comprend pas, la violence de ses marins. Et on essaie de lui faire toucher, là, un marin qui se marre, essaie de lui faire toucher, elle pose un doigt. Elle est bouleversée. Le cliché, c'était l'image prise dans une perception sensorimotrice et sentez que là, les deux sont unis, tant du point de vue des acteurs du film que du point de vue du spectateur. La situation optique pure a coupé toute perception sensorimotrice, d'abord dans le personnage du film et par là même aussi dans le spectateur du film. C'est au moment où je suis en situation optique pure que j'aperçois, que je sors de l'image cliché pour saisir quelque chose d'intolérable. Pourquoi? Un excès. Quelque chose de trop puissant dans la vie. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ou quelque chose de trop misérable? Quelque chose de trop terrible? Bien. Donc, on avance un petit peu. La situation optique pure, bien loin d'être l'œil du voyageur ou du touriste, est l'œil de quelqu'un de bouleversé qui voit un intolérable. En sens, on peut dire c'est l'œil de l'enfant. Oui, c'est l'œil de l'enfant, mais d'un drôle d'enfant. Et quand... Ou l'œil de l'immigré, d'accord. C'est l'œil du pauvre travailleur immigré. Oui, situation optique sonore pure. Vous remarquerez que j'emploie situation sonore au sens de précisément pas langage, des sons. Les cris des marins pendant la pêche, enfin c'est une séquence admirable. Et quand le volcan éclate, et que elle se sauve, terrifiée, tout le village se regroupe, ils ont l'habitude de... Eux, ils sont sensorimoteurs. Et voilà que le personnage, la femme, se met à courir. Elle se met à courir de son côté. On dira sensorimoteur, ben elle aussi, elle est sensorimotrice. Elle a une perception motrice. Elle court, d'accord, mais c'est secondaire, faut bien les faire marcher un peu de temps en temps. Mais c'est pas ça. Elle court, jusqu'à ce qu'elle arrive à un petit mur. Elle est toute seule. Et elle lance sa grande phrase. Sa grande phrase qui est quelque chose comme « Je suis fini. J'ai peur. Mon Dieu, c'est trop beau. C'est trop violent. » Bon. « Je suis fini. J'ai peur. » Devant là, le mur l'arrête. « Je suis fini. J'ai peur. » Situation petite pure. Ça n'était sensorimoteur qu'en apparence. Chez les habitants de l'île, c'est sensorimoteur. Mais eux, ils ne sont pas bouleversés par... ils vivent là-dedans depuis tant de
depuis tant de générations. Elle est bouleversée. Plus jamais elle sera la même, comme on dit. Il a suffi qu'elle entre et qu'elle arrive à se mettre dans la situation optique et sonore pure pour être bouleversée à jamais. Troisième exemple, Europe 51. Là, c'est encore plus net. L'héroïne vient de perdre son gosse. Tiens, l'enfant mort, toujours le thème si fréquent. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle parcourt avec son mari et elle voit. Et c'est une bourgeoise qui voit. Or, quand on est bourgeois, c'est-à-dire quand on n'est pas dans le coup de ce qu'on voit, elle voit quoi? Elle voit, par exemple, une usine. Elle voit une usine, elle voit les pauvres types qui travaillent dans l'usine, comme il dit, les pauvres immigrés, tout ça. Et elle dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Qui a-t-on enfermé là-dedans? Qui a-t-on enfermé là-dedans? Qui sont ces gens? C'est pas possible. Et il y a son mari qui est un touriste sensorimoteur. Et son mari lui tape dans le dos et dit tu vas pas embêter longtemps comme ça. Et elle dit non mais tu comprends pas. Et elle ira jusqu'au bout de la situation optique. Et son mari la fera interner. Bon, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle pouvait voir un cliché, d'accord. Elle a vu autre chose qu'un cliché. Quand est-ce qu'elle est sortie du cliché? Elle est sortie du cliché quand elle a rompu avec la perception sensorimotrice et qu'elle a accédé à une perception optique sonore pure. À ce moment-là, quelque chose l'a traversé, comme un son trop violent, comme un rayon visuel trop fort. Et ce qu'elle a vu, c'est l'intolérable, l'insupportable. En d'autres termes, dans les quatre œuvres où beaucoup de critiques ont vu la rupture de Rossellini avec le néo-réalisme, il n'y avait rien d'autre, me semble-t-il, que le dégagement le plus pur de ce qui faisait l'essence du néo-réalisme, à savoir l'exposition des situations optiques et sonores à l'état pur. Et si Rossellini est la grande pointe de cela, c'est-à-dire si c'est présent, il me semble, dans tout le néo-réalisme italien, mais recouvert par, précisément, c'est pour ça que j'avais besoin de tant de précautions. Comprenez qu'en effet, ce concept de situation sonore optique pure groupe effectivement tous mes caractères précédents. S'il n'y a plus sensation sensorimotrice, vous n'aurez plus centrage sur une action. Vous aurez une perception d'événements qui n'appartiennent pas à ceux à qui il arrive, exactement comme je vous le disais la dernière fois dans un accident. Dans un accident qui arrive, vous êtes en auto, l'accident est là, vous le voyez. Vous le voyez venir, vous êtes en situation optique sonore pure. Cette mort arrive qui ne vous appartient pas et qui est pourtant la vôtre. D'une certaine manière, vous en sortirez. Si vous en sortez, vous ne serez pas tout à fait le même, en tout cas pour 2-3 heures. Vous arrêterez vos conneries, etc. Quelque chose se sera passé. C'est le contraire de la situation de spectateur, la situation optique sonore pure. Comment est-il possible? Parce que je parle de Rossellini, comment est-il possible de soutenir ce que je raconte au début, à savoir qu'il y a une différenciation, même une opposition entre une création de concept et une indifférence à une vérité qui nous soi-disant ne nous intéresserait pas, alors que justement, par cette rupture, Rossellini n'a fait qu'accentuer à travers son processus cinématographique artistique, le souci même de la vérité. Ouais.
Je retire ce que j'ai dit sur la vérité, qui faisait d'ailleurs pas partie de mon sujet. Oui. Là, je parlais en mon compte, je parlais pas au compte de Rossellini. Pour Rossellini, tu as tout à fait raison. Alors, bon, je dis la nouvelle vague. Vous voyez, tous mes caractères précédents, y compris l'idée du complot international, de tout ce qui nous dépasse, de l'événement qui nous dépasse, du cliché, de la présence en nous et hors de nous du cliché. Et le problème qu'en effet, vous pouvez toujours appeler le problème de la vérité, que vous pouvez appeler autrement, à savoir, est-ce qu'on pourra sortir du cliché? Est-ce qu'on pourra produire des images qui ne sont pas des clichés? Réponse. Oui. Les images optiques et sonores pures, au sens qu'on a essayé de... Et je dis, qu'est-ce que ça a été, la nouvelle vague? Et en quoi est-ce que, par exemple, là, les meilleurs de la nouvelle vague française ont vraiment pris le mouvement là où l'avait porté Rossellini? Il va de soi que... là, je vais très vite, parce qu'il y a trop de choses à faire encore. Il va trop de soi que si je reprends mes deux exemples fondamentaux, Godard et Rivette, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je crois que leur admiration pour Rossellini, ils ne l'ont jamais caché. C'est vraiment que c'est ça qu'ils ont pris chez lui. C'est ça qu'ils ont pris chez lui, c'est-à-dire un cinéma qui allait atteindre, qui allait se présenter comme une lutte active contre les clichés, dès lors comme une réflexion d'un type nouveau sur l'image. Lutte active contre les clichés, menée à partir de quoi? Comment dégager des clichés? Un type d'image tout à fait différent, c'est-à-dire le cliché étant toujours sensorimoteur, comment dégager des situations optiques pures et des situations sonores pures? Et je prends l'exemple, je cite, je sais pas quoi faire, à ce moment-là prend une valeur évidemment symbolique. Je veux dire, je sais pas quoi faire, ça veut dire non. Fini le sensorimoteur, fini la perception sensorimotrice. Et bien des choses, vite, si j'ajoute un film comme Made in USA. Made in USA, c'est presque là l'exemple typique. Anna Karina, à la lettre, elle fait rien. Elle montre des images. Elle montre des images sur aplats de couleurs vives. Bleu ou rouge, image parfois insoutenable, qui renvoie à l'idée d'un complot international. Bon, on nous met dans une situation optique et sonore pure, d'où va sortir la vision d'un quelque chose d'intolérable. Rivette. D'un bout à l'autre, ce sera ça. Il n'y a plus de situation sensorimotrice. Il n'y a plus de situation sensorimotrice. Vous n'aurez que des situations optiques pures. Et ces situations optiques pures, comprenez alors, très bizarrement, mais là, ça reste un peu expliqué, c'est elles qui vont coïncider avec ces lieux désaffectés, ces espaces quelconques, ces lieux indéterminés. Si bien que de rebondissement en rebondissement, on a déjà deux problèmes. Pourquoi la situation sonore optique est-elle censée nous sortir du cliché, nous faire sortir de l'image cliché? Pourquoi, d'autre part, s'effectue-t-elle dans des lieux quelconques, dans des espaces quelconques, les espaces inachevés, les espaces de construction et de destruction? Les espaces périphériques, les espaces de poutrelles, les espaces de terrain vague. Pourquoi tout ça? Et si j'ajoute un tout autre, alors, en quoi est-ce que Tati participe tellement, tellement de ce mouvement? On n'a plus le temps, mais ça me paraît tellement évident. Il me semble, Tati est le premier auteur de cinéma à avoir fait un comique qui soit fait uniquement, qui ne soit absolument pas sensorimoteur, sauf dans son premier film, la balade du facteur. Mais justement, c'est une balade, et je reviens toujours au thème. Ce qu'il y a d'embêtant dans le thème de la balade, c'est qu'il est là, il est déjà au service
les situations optiques pures. Voyez dans Rivette, par exemple, le pont du Nord, comment commence le pont du Nord. La balade de la mutante, la balade de la fille, autour des lions, dans un lieu périphérique. Et c'est une situation optique pure. Elle a encore une espèce de mobilette, elle est à mobilette, c'est encore un peu moteur. Mais à force de regarder, d'être en situation optique, elle casse sa mobilette. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prend le relais? Qu'est-ce qui va prendre le relais? Une succession, au nom du complot international, une succession de situations optiques pures, la transition étant uniquement faite par la double déambulation de la fille et de Bulogier. Vous avez là, dans le pont du Nord, vous avez un exemple typique, il faudrait le commenter longuement, presque séquence par séquence. Vous avez un film sonore optique à l'état pur. Et quand je dis Tati, donc, à part la balade du facteur, à part jour de fête, vous trouvez un comique qui repose uniquement sur des situations optiques et des situations sonores à l'état pur. Voilà ce que je voulais dire pour commencer, mais alors, si encore une fois, remarquez, tout ça est relativement cohérent, car, je dis bien, j'ai commencé, si je regroupe, j'ai commencé par définir une limite de l'image-action par quatre caractères. Et il m'a semblé que ces quatre caractères convergeaient vers quelque chose qui dès lors débordait l'image-action. Et peut-être même débordait l'image-mouvement tout court. Et maintenant, je peux dire, c'est l'image sonore optique à l'état pur. C'est l'image sonore optique à l'état pur en tant qu'elle nous fait voir quelque chose, oui, je reviens là-dessus, ou de trop violent, ou de terrible, ou de... et en tant qu'elle s'effectue dans un lieu quelconque, dans un espace quelconque. Si bien que tous les thèmes qu'on a cherché à analyser cette année, là, commencent à se resserrer. Car voilà maintenant... Alors on se trouve dans un état où on ne peut plus... Maintenant, il s'agit de passer au concept. Finalement, ce que je viens de faire, c'est uniquement me donner toutes sortes de raisons pour me dire, ah ben oui, après tout, situation sonore optique, c'est non seulement quelque chose qui existe bien au cinéma, mais c'est quelque chose qui est bien l'objet d'un concept. En quoi consiste ce concept? Ça, on ne le sait pas encore. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est le développement. Ben, je procéderai aussi par caractère. Et je dirais juste aujourd'hui, pour en finir, ben, c'est pas compliqué, le premier caractère. Il faut prendre à la lettre, il n'y a plus de perception sensorimotrice. À la limite, bien sûr, il en restera dans le film. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a plus de perception sensorimotrice? Ça veut dire la perception visuelle, auditive, ne se prolonge plus naturellement en mouvement. Dans l'état normal, dans notre vie, ça n'arrête pas. Nos perceptions se prolongent naturellement en mouvement. Le premier chapitre de Matière et mémoire, tel que nous l'avons commenté, expliquait comment, par l'intermédiaire du cerveau, la perception était sensorimotrice, c'est-à-dire les perceptions que nous recevions se prolongeaient en mouvement. Alors, allons-y. Supposons qu'à la suite d'une grave maladie, ça ne se fasse plus. Supposons qu'à la suite d'une grande maladie, il y ait coupure, nos perceptions ne se prolongent plus en mouvement. Est-ce que ça arrive, cette grave maladie? Oui, ça arrive. C'est des cas qu'on nommera ou bien aphasie, ou bien apraxie. Et Bergson en parle beaucoup. Et Bergson analyse ces cas-là. On peut ne pas aller au pire,
ce sera, la perception sera purement optique sonore. Elle se prolonge plus en mouvement. Mettons, une seconde, juste là. Mettons les choses moins graves. Elle se prolonge en mouvement, mais en mouvement qui ne colle pas à la perception. Une espèce de maladresse. Comme si le prolongement hésitait, se faisait pas. La perception optique sonore ne se prolonge plus qu'en mouvement inadapté, frappé d'une étrange maladresse, d'un gauchissement, d'un excès. Il tombe à côté, le geste tombe à côté tout le temps. Le type se cogne. Il passe à travers, il se bute, il se cogne. Ça va pas. Tout se passe comme si le prolongement naturel de la perception en mouvement était compromis. Qu'est-ce que c'est ça? Les gestes faux se mettent à proliférer, les gestes faux. Se mettent à proliférer les détails qui font faux. Dans le réalisme, ce qui importe, c'est le détail qui fait vrai. Dans le néo-réalisme, ce qui compte, c'est le détail qui fait faux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais tout, c'est pas moi qui l'ai dit. Le culte du détail qui fait faux comme preuve de la vraie réalité, par opposition à la pseudo-réalité du réalisme. Rob Grier n'a pas cessé d'insister là-dessus. Or, s'il est vrai que Dos Passos a eu sur le cinéma italien une influence déterminante, en revanche, ce qu'on a appelé le nouveau roman a eu sur la nouvelle vague une influence déterminante. Et c'est pas, je dis pas spécialement Rob Grier, bien que Rob Grier, on aura à en parler, puisqu'il a fait une intrusion importante dans le cinéma, et c'est pas par hasard, mais entre le nouveau roman et le cinéma, c'est lié, ou se sont liées des alliances très diverses. Et sur quoi ? Si j'en reste à ce premier caractère, pour en finir avec tout ça, c'est il devient relativement important que d'une certaine manière, l'acteur joue faux. Je prends un texte de Rob Grier très, très clair. Dans le réalisme nouveau, il parle pour lui, il parle pour sa propre œuvre, pour son roman, qu'on appelait à ce moment-là, ce nouveau roman qu'on appelait l'école du regard. L'école du regard. Et en effet, les premiers romans de Rob Grier, Situation optique sonore à l'état pur. Il faisait en littérature ce que nous venons de voir que les autres faisaient en cinéma. Et il insistait là-dessus. Ne croyez pas. Et s'il renonçait, s'il s'opposait dès le début à l'expression école du regard, qui pourtant semblait tellement convenir au néo-roman, au nouveau roman, c'était pour une raison très précise, il disait, ne croyez surtout pas que ce soit le point de vue d'un spectateur. L'image sonore, optique pure, c'est tout ce que vous voulez sauf l'œil d'un spectateur. C'est pas non plus l'œil d'un acteur. Quelle était la nouvelle race d'hommes ? Qu'est-ce que c'était ces étranges hommes de la balade ? Ces hommes à qui n'appartenait pas l'événement qui leur arrivait. Qu'est-ce que c'était tout ça qui faisait à la fois et le nouveau roman et la nouvelle vague. Et donc, Rob Grier disait, dans ce réalisme nouveau, il n'est donc plus du tout question de vérisme. Le petit détail qui fait vrai ne retient plus l'attention du romancier dans le spectacle du monde ni en littérature. Ce qui le frappe, le romancier, et que l'on retrouve après bien des avatars dans ce qu'il écrit,
ce serait davantage au contraire le petit détail qui fait faux. Ainsi déjà dans le journal de Kafka, lorsque celui-ci note les choses vues pendant la journée au cours de quelques promenades, thème de la balade, de la promenade, il ne retient guère que des fragments non seulement sans importance, on pourrait le dire du néo-réalisme, mais encore qui lui sont apparus coupés de leur signification, donc de leur vraisemblance. Depuis la pierre abandonnée sans qu'on sache pourquoi au milieu d'une rue, jusqu'au geste bizarre d'un passant, geste inachevé, maladroit, ne paraissant répondre à aucune fonction ou intention précise. Des objets partiels ou détachés de leur usage, des instants immobilisés, des paroles séparées de leur contexte, ou bien des conversations entremêlées, tout ce qui sonne un peu faux. Ils jouent comme si leur geste était retenu par du coton. Ils se courent après, ils se tirent des coups de revolver. Chaque geste est faux, tellement ils tirent avec maladresse. On n'a jamais vu des gangsters aussi maladroits. Et est-ce que c'est pas comme ça dans la vie? Là alors, saisissez la différence avec le réalisme américain. Et on a fini par, grâce à la nouvelle vague et grâce au néo-réalisme italien, être habitué à un tout nouveau type de scène au cinéma, qui est lorsque, dans une bagarre, l'extraordinaire maladresse des gens. On sortait des bagarres d'Hollywood où ça traîne pas, les coups sont fantastiques, là. C'est, comme on dit, de vrais cascadeurs. Et là, on voit des types qui se sont mis à s'agripper lentement, maladroitement, arrivant pas, se donnant un coup toujours jamais où il faut, la panne, puis l'autre... C'est-à-dire qu'une vraie bagarre, comme on en voit dans la rue, quoi. Et les gens, ils se battent pas comme à Hollywood. Si j'essaie de le battre, là, je vais rater immédiatement mon coup de poing. Je vais lui taper dans l'œil, si je vais lui taper de là. Lui, il va me prendre comme ça. On va plus savoir où on en est. Enfin, c'est une espèce de bagarre qui se font vraiment comme dans de la semoule, quoi. Et cette espèce d'art de jouer faux, que vous trouvez à un très haut degré déjà chez Truffaut, que vous trouvez chez Godard, alors, ça, que vous trouvez aussi, que vous trouvez finalement chez tous. Il y en a un qui dirait, je ne sais plus. Chez Tati, le détail qui fait faux, la page de Rob Grillet, elle convient, sans changer un mot, elle convient à Tati. Il y a un Américain qui fait ça formidable pour le son, c'est Cazavetz. Les dialogues de Cazavetz. Alors là, c'est du grand, grand, grand détail qui sonne faux. Perpétuellement, les types, ils sont... C'est comme dans nos conversations, écoutez deux personnes parler. Si vous vous mettez en situation sonore de les écouter, mais ça sonne abominablement faux. Une conversation de café, les types sont à moitié sous. Alors, je vais te dire un petit peu, tu vois... Et puis, c'est à chaque instant le truc qui sonne fou. Presque un de ceux qui a attaché énormément d'importance à ça aussi, c'est Eustache, la puissance du faux. La maman et la putain, c'est une réflexion du point de vue cinématographique très approfondie sur qu'est-ce que la puissance du faux, et sur le thème de comment sortir du sein même du cliché le plus abominable, quelque chose qui sera du pur sonore optique. Bien. Je dis donc, là, c'est uniquement mon premier caractère pour définir le concept de situation sonore optique, c'est tout se passe comme si le prolongement naturel de la perception en mouvement avait été coupé. J'en suis donc pour la prochaine fois à ceci, comprenez bien. Très joli, ça, mais c'est encore tout négatif. Si le prolongement de la perception en mouvement a été coupé, alors qu'est-ce qui se passe pour la perception? Ça ne peut plus être la même perception que quand le prolongement en mouvement se fait. Qu'est-ce qui va se passer?